La situation sécuritaire stabilisée dans plusieurs parties de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire reprend l'itinérance dans son entité de Bounia à Mahagi, en passant par Pimbo, Fataki, Libi, Nyoka et Ngote. Le lieutenant général Boyan Kachama Johnny et sa suite ont parcouru environ 180 km de la RN27 en véhicule qui est sur de s'éprégner davantage de la situation que traversent ses administrés du territoire de Djougou. Partout, le message est resté le même, la collaboration avec les forces armées pour Andigui, les auteurs de violence. Disons que nous avons un déliboso, bango baso et l'andamiso n'a pas insécurité pour que nous combattions. Toko combat, peut toko gunda na bango. Sur son passage, le gouvernement militaire traîne de foules immenses. La population demande de son soutien aux opérations de traque de groupes armés. Bango baso n'a pas région insécurité, ultimatum est atteint à une semaine. Peu après un meeting populaire en Ngoté, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny, a rehaussé le moral de ses frères d'armes blessés de guerre internés à l'hôpital général de Rimba. À son arrivée à Mahagi, le gouverneur militaire de l'Ituri, obligé de marcher à pied par sa population dans une ambiance festive. Lucier de dire que cette mission d'itinérance du gouverneur militaire en territoire de Mahagi, placée sous le signe du réconfort et des proximités, va certainement apporter un plus dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que le renforcement de la discipline militaire, l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.